Bah oui. Hein. Voilà, donc on a livré la bouffe. Elle est là. De rien, merci à vous. Merci beaucoup d'être là. Là, les rations, voilà. Des saucissons, des fruits, voilà. La bouffe, on a tout. Voilà, comme ça, vous savez, ça a été livré à tout ce beau peuple là. Voilà, les agriculteurs magnifiques. Superbe. Voilà. Bah oui. Voilà, regarde, on est là. On est sur place. On est sur place, on est sur l'A1, dans le nord de Paris. Voilà, on est sur place. Je ne sais pas s'il y a du réseau. Voilà, on est dans le nord de Paris. Je ne sais pas si vous êtes là ou quoi. Je ne vois pas de connexion, donc je ne sais pas si ça marche. Ah, ça y est. Coucou. Salut la famille. Voilà, regardez, on est sur place. On vient de livrer, faire la deuxième livraison. Deuxième livraison sur l'A1. Dans le nord de Paris, je vais vous montrer un peu. On est sur l'autoroute. On est sur l'autoroute avec les agriculteurs. Voilà. Et on vient de faire une deuxième livraison à l'instant. Alors, c'est toute l'autoroute est fermée. Hein. Voilà, deuxième livraison qui a été faite. On va essayer de. Donc là, on est sur la 1. On va essayer d'aller sur la 13, je crois, pour livrer pareil. On a encore pas mal de bouffe. Donc on va continuer à livrer. J'espère que, voilà, sachez que tous vos dons servent à livrer les agriculteurs qui se sont mis en place. Hein. Ils ont leur petit, vous allez voir, ils ont leur petit barnum, ils ont même un salon. Vous allez voir, regardez, là c'est toute la bouffe qu'on a livrée tout à l'heure, là, sur la table. Voilà, là sur la table, vous avez la bouffe qu'on a livrée, des salades, des sandwichs, des saucissons, des boissons, voilà, on a livré tout ça, voilà, voilà, tout ça c'est ce qu'on vient de livrer, bon saucisson français, des sandwichs, de l'eau, des pommes, voilà, ben, tout ce qu'on a pu ramener, et puis les rations militaires, évidemment, voilà, tout ça c'est ce qu'on a pu livrer jusqu'à présent, voilà, on est là, derrière la belle équipe, là. Voilà. Salut la famille. Voilà. Et on monte les beaux agriculteurs français là. Regarde-moi ça. On défend le patrimoine. Ça fait partie du patrimoine de la France. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais couper le live parce que je vais aller sur une autre autoroute. Donc là les flics ont été très sympas. Ils nous ont laissé rentrer par un chemin sur l'autoroute directement donc pour livrer plus facilement. Et franchement ils sont très cool. Et ils sont très clairement avec les agriculteurs, ils nous l'ont dit, en off forcément. Donc les gendarmes, c'est des gendarmes qui sont sur place, nous ont dit nous on est là, on est avec eux, même si on doit faire la sécurité, mais on les soutient. Et vous pouvez rentrer, allez-y, si c'est pour eux, pour leur donner à manger, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer la livraison, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à ce soir, je ferai une petite intervention dans le live de Tonton à 20h sur les chaînes de l'Alliance Humaine. Et ben voilà, soyez heureux et puis à plus tard ou à ce soir. Bisous. Voilà, coucou la famille. Alors on est à Montsoul, je crois, c'est ça. Attends, j'ai grandi, je zoome. Voilà, on est à Montsoul, donc au nord-ouest de Paris. Route barrée forcément et puis ils sont là-bas donc on va essayer de rentrer là pour aller faire une livraison encore. Ce sera la troisième de la journée. Lolo il est parti voir pour faire ouvrir le chemin là. Donc voilà, on va continuer encore une tournée là. Donc là on est au nord-ouest de Paris à peu près au vraiment nord-ouest, nord nord-nord, hein. Nord-ouest. Et puis voilà, ça va, tranquille. On est bien. Ouais. On est bien. Voilà, bon, on attend. On attend que Lolo il revienne avec les ch'tards, avec les schtroumpfs, avec les flics. Bon, qui sont sympas en principe. Hein. Ils nous laissent passer. On fait notre livraison, on ressort tranquillement après. On passe un moment avec les agriculteurs. On leur donne à bouffer, à boire.
Et puis on ressort tranquillou. Ça se passe très très bien. Les flics ont été très sympas jusqu'à présent. Et comme à l'époque, je me souviens des gilets jaunes, c'était très sympa au début. Hein. Puis après, on leur a dit, bah, faut nettoyer la boutique. Et bah, ils ont nettoyé. Bon, c'est ce qui. Alors, avec les discussions que j'ai eues avec les agriculteurs. Attends, je vais mettre la caméra vers moi. Les discussions que j'ai pu avoir avec les agriculteurs. Bonjour. Comment ? Ah, je sais pas du tout. C'est pas moi qui bloque. Donc c'est le chauffeur de bus qui m'arrête, il me dit faut pas bloquer ici. Donc, du coup, non, rien, on parle. Non, je disais. Parce que je suis en direct. Donc du coup. Bonne journée. Bonne journée. Donc du coup, il m'a perturbé le chauffeur de bus là. Il me dit faut pas bloquer ici. Mais rien à foutre, moi, je bloque rien. Et puis même si on bloque, on va te faire encadrer. Donc je disais, ouais, j'ai eu des discussions avec des responsables des agriculteurs sur les points de blocage de la 1, qui me disaient qu'ils n'étaient pas chauds pour rentrer dans Paris apparemment, qu'ils étaient là juste pour bloquer un peu, mais ils m'ont pas l'air très chaud pour rentrer dans Paris, ils m'ont pas l'air très chaud pour monter à Bruxelles. Non, parce sincèrement. Qu'ils veulent pas foutre le bordel. Ouais, ils veulent pas foutre le bordel. Ils sont un peu trop minimes, un petit peu trop encore. Ils croient aux bisounours, ils croient que face de paix de grenouille. Ils n'ont pas la grosse colère. Ouais, ils n'ont pas encore la grosse colère. Je crois qu'il faut, il va falloir que face de paix de grenouille et Gabriel Annal les énerve encore un peu. Ils sont un peu calmes. Ils sont un peu calmes à mon goût. Ça fait 30 ans qu'ils se font baiser, mais bon, ils sont un peu calmes encore, je trouve. Mais c'est pas grave. Samedi, je crois, il y a les gilets jaunes qui rentrent dans la danse. Bon, on va voir. On va suivre le mouvement. Il est possible que je monte à Bruxelles, il est possible que j'aille en Lorraine, faire un petit crochet pour me mettre à l'abri chez maman quelques jours. Là, je suis chez Christophe. Et je pense que demain, on va repartir, on va faire sur les points de blocage, parce que pour l'instant, je vous dis, ils n'avancent pas sur Paris. Ils restent à l'extérieur de Paris. Bon, allez, je vous laisse. Il y a Lolo qui revient et puis je vous tiens au courant.